Ce mardi matin, il est 7h20, le jour pointe à peine et toute l'équipe de construction de ce chantier de logement collectif au centre d'Angers a rendez-vous ici avant d'aller travailler ses séances échauffement. Depuis plusieurs mois, l'entreprise GTB Construction a instauré ce rendez-vous matinal et quotidien. On fléchit les jambes toujours. Elle a même fait appel à une éducatrice qui anime les 10 minutes de séance. On travaille donc sur un réveil musculaire, vous pouvez relâcher, sur un réveil musculaire, un réveil articulaire, attentionnel aussi, donc travailler sur la concentration et sur l'équilibre également, on fait des petits travaux de coordination pour la concentration aussi. Premier contact entre les compagnons, cet échauffement en groupe se passe plutôt dans la bonne humeur. Pour certains, il a fallu vaincre une petite crainte du ridicule, mais désormais, comme pour un athlète de haut niveau, l'échauffement fait partie du boulot. Parce qu'on repart au boulot, on est déjà bien chaud, quoi. Les muscles sont chauds, c'est beaucoup plus facile, quoi. Plus facile et surtout plus sûr. Dans le bâtiment, la plupart des accidents ont lieu lors de la prise de poste. Le dos, les chevilles souffrent principalement à chaque fois à cause d'un manque de vigilance, d'où l'importance de cette préparation. C'est un réveil qu'on n'a pas obligatoirement, même si on a fait une demi-heure ou une heure de route avant d'arriver sur chantier. C'est aussi une manière de créer une ambiance particulière entre les équipes et ainsi de créer une solidarité autour de la prévention. Clairement, en termes de sécurité, on s'auto-surveille, on s'auto-anime un climat sécuritaire. À plus long terme, une meilleure préparation au travail permet d'éviter des pathologies professionnelles comme les lombalgies ou encore les tendinites. Sur les chiffres d'accidents, il est trop tôt pour donner une statistique. Seule certitude, si l'échauffement quotidien ne fait pas disparaître le risque d'accident, il les rend à chaque fois moins graves.